Salut les pilotes, c'est Talar, j'espère que vous allez bien. Bah, j'ai envie de vous dire, vidéo promise, vidéo due. Cette vidéo, ça fait longtemps que je vous en parle. J'en ai parlé dans les dernières vidéos que j'étais en train de la préparer. Figurez-vous que c'est une des vidéos qui m'a pris le plus de temps avec celle sur les meilleurs vaisseaux de combat. Parce que ça demande de la préparation, ça demande de la recherche. Voilà, je voulais vous préparer une vidéo qui vous présente un petit peu la communauté PVP. Pourquoi ? Parce que, si vous avez suivi mes vidéos, j'en parle dans mon introduction. Moi, j'ai découvert le monde du PVP il y a plus ou moins un an maintenant, peut-être un peu plus, je sais plus, ouais, ça doit faire un an, quand j'ai commencé à try hard. Mais moi, je ne me suis pas juste cantonné au fait d'être un bon dogfighter. Je me suis vraiment fort intéressé au monde qu'il y avait autour, et au fur et à mesure du temps, j'ai fait des connaissances. Vous savez, on s'envoie GF sur Discord, on rejoint des Discords de grosses orgas, on commence à connaître les gens, on parle un peu avec eux, on s'envoie une petite flair en Battle Royale. Et au final, on se fait comme ça une petite communauté de personnes qu'on connaît. D'ailleurs, parfois, c'est même un peu embêtant parce qu'on connaît tellement de monde qu'il y a des fois en Battle Royale, on n'a plus que des copains en fait, donc c'est parfois un petit peu chiant parce qu'on n'ose pas être trop méchant, enfin vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, tout ça pour vous dire que voilà, je trouve qu'il y a quand même un beau monde qui tourne autour du monde PVP, du dogfight sur Star Citizen. Et le but de cette vidéo, c'est vous faire un peu découvrir les différents orgas qui tournent autour de ça. Alors tous les bons dogfighters ne sont pas dans des orgas, il y en a même pas mal qui sont tout seuls. Mais cela, je ne veux pas en parler, je vais vraiment parler que des orgas qui sont vraiment axés PVP. Et dogfight, enfin je dirais plutôt dogfight et PVP quoi. Vous allez voir que beaucoup d'orgas ne font pas que du dogfight, mais c'est quand même leur partie principale en général, en tout cas dans l'état actuel du jeu. Maintenant ça changera peut-être dans le futur. Alors pour vous présenter un petit peu toutes ces organisations, je vous ai fait simplement un espèce de PowerPoint, hein, en format Google. C'est un type de fichier que j'aime beaucoup parce qu'en fait en modifiant l'URL, on peut donner le mode présentation directement sur le fichier partagé. Donc c'est vrai que c'est un outil que j'aime beaucoup. Je fais pareil pour mes binds sur Star Citizen si vous avez regardé le fichier qui est dans la description de mes vidéos. Bref, donc c'est un fichier sur lequel vous pouvez faire clic droit, clic gauche pour changer de page. Et vous pouvez même le copier sur votre propre compte. Et pour ça, il faut passer en mode édition ici. Mais il faut être connecté à un compte Google, ce qui n'est pas le cas sur ce navigateur-ci. Alors, forcément, je vais commencer par vous parler de Disorder, obligé. Disorder, forcément, c'est mon orga. Alors, je ne l'aurais pas mis dans le classement il y a 3 mois d'ici, parce qu'il faut savoir que chez Disorder, j'étais pratiquement un des seuls dogfighters pendant très longtemps. En tout cas, dans ceux qui ont vraiment try hard et qui ont voulu continuer et qui ont vraiment bossé pour s'améliorer en dogfight. Par contre, ça a changé très récemment. Maintenant, il y a quelques mois, au vu de mes vidéos, de lives que je fais sur Twitch, j'ai des dogfighters qui ont rejoint, d'autres qui sont en formation. Au final, on commence à devenir une corpo sérieuse, je pense, dans le dogfight. On est encore loin de pouvoir rivaliser avec des grosses orgas américaines, mais je pense que sur les françaises, on commence à se défendre. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais à la base, Disorder, c'est surtout une orga pirate, mais du pirate entre guillemets legit. Je veux dire, on n'est pas des griffeurs. On essaye d'apporter même parfois un côté un petit peu roleplay sur nos attaques, sur nos cibles, etc. D'ailleurs, je vous inviterai à aller voir notre chaîne YouTube et la série de vidéos qui s'appelle Du sel, du sang des USA, qui reprend un petit peu d'autres façons de faire et qui explique vraiment le motif de Disorder. Mais si on est dans cette vidéo, c'est surtout pour parler dogfight. Et chez Disorder, on a une bonne équipe dogfight maintenant, je suis très content. Il y en a qui progressent, on travaille beaucoup ensemble, il y a une bonne ambiance, donc c'est assez chouette. On recrute tout profil, des nouveaux aussi. À former, mais attention, il faut des gens qui sont motivés parce qu'il ne faut pas vous leurrer. Le try hard du dogfight, c'est très très long, c'est pénible. Si vous regardez mes vidéos, vous le savez, on en a parlé dans la vidéo sur la progression dogfight où j'explique bien tout ça. Donc il faut vraiment vouloir quoi. Il faut vouloir, c'est comme apprendre un instrument de musique, c'est très très long. Alors, deuxième orga dans mon fichier. Alors, oui, en ordre, il fallait bien que je mette en ordre. En fait, c'est l'ordre dans lequel on m'a répondu, hein, tout simplement. Mais il n'y a pas qui sont meilleurs que d'autres ou quoi que ce soit, on n'est pas là pour faire un comparatif maintenant. Confrérie des Renégats, je les connais depuis un bout de temps maintenant. Donc c'est une corpo, elle est française aussi, très axée dogfight avec des bons dogfighters. Je vous laisserai lire la description, ce qu'ils font, etc. Dans le fichier, il sert à ça, je vais pas vous le lire ni vous raconter tout. Juste petite anecdote, leur chef il s'appelle Tournevis, donc je sais que c'est quelqu'un qui est assez connu de la communauté française, francophone. Donc vous le connaissez peut-être. Il faut savoir que Tournevis, quand j'ai fighté énormément avec lui il y a encore quelques mois, et avant les vacances, donc juillet août de l'année passée, moi j'avais déjà fait pas mal de try hard et lui commençait. Donc forcément, je lui mettais un peu sa pâtée. Mais sauf que pendant 3 mois j'ai pu jouer, je suis parti en montagne tout l'été passé. Et quand je suis revenu, lui a continué à s'entraîner et c'est lui qui m'a mis une pâtée, mais une belle. Hein. D'ailleurs Tournevis, si tu regardes la vidéo, on s'est plus refight depuis. J'ai progressé, t'as progressé aussi, donc je voudrais quand même bien savoir où on en est, mais je pense que tu me mets toujours ma pâtée. Bref, on se voit au FF.
alors prochaine orga, bah, tout linéaire, forcément. C'est une orga, si vous regardez mes vidéos, que vous connaissez certainement, parce que je parle de temps en temps d'eux, on les voit souvent sur mes vidéos, particulièrement Tatsumo, hein, qui est le chef de tout linéaire. Très 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 bon fighter, surtout dans Close Combat, pour moi c'est un des meilleurs que je connaisse. J'adore me fight avec lui parce qu'on est un peu dans le même style, sauf qu'il le maîtrise mieux que moi, mais ce sont toujours des fights qui sont vraiment intenses et très agréables à faire. Mais pas que lui, il y a quelques bons fighters chez lui. Il y a Ultik aussi, que vous avez déjà souvent vu dans mes vidéos, avant qu'il ne soit tout linéaire. On s'est entraîné longtemps ensemble pendant quelques mois, et donc forcément il était sur mes vidéos, j'étais sur les siennes. Il y en a encore quelques autres, bref, une compo qui est vraiment orientée par contre à le dogfight. Ils font un peu d'autres choses, mais c'est clairement d'abord des dogfighters. Voilà, donc comme j'ai dit, Tatsumo c'est leur chef, et il y a tous les liens sur la fiche comme pour les autres. Alors ensuite on a la Sard. Alors la Sard, ça fait pas très très longtemps que je les connais. Figurez-vous que j'ai rencontré leur chef qui s'appelle Breton à la Beacon l'année passée à Liège. On a un peu sympathisé et depuis on a fait des events avec eux, etc. Alors c'est pas vraiment une orga dogfight parce qu'ils touchent vraiment à tout à la Sard, ils ont vraiment tous les gameplays possibles, bref, ils goûtent à tout ce que peut faire Star Citizen. Mais je les ai mis dans la liste parce qu'ils ont quand même des très bons dogfighters. On a quand même Breton et puis Bradon qui est un excellent dogfighter aussi. Et surtout je sais qu'ils ont des fighters en formation et ça évolue, donc forcément c'est une orga qu'on doit mettre aussi dans les orgas dogfight. Parce que déjà, comme je dis, ils ont deux bons fighters et surtout ils ont du potentiel. Par contre, ils sont un peu plus discrets, leur Discord est assez fermé. J'ai pas trouvé de chaîne YouTube ni de Twitch, etc. Mais je sais que c'est une orga dans laquelle une très bonne ambiance parce que j'ai fait des events avec eux, je suis déjà allé sur leur Discord, donc voilà, ça se passe très très bien. Mais ils sont peut-être un peu plus discrets que les autres orgas. Ça veut pas dire qu'ils en veulent pas tout autant le coup. Voilà, terminé pour la Sard. Alors, prochaine orga de ma liste, la FCU. Alors la FCU c'est une orga que je connais un petit peu moins, pourtant c'est peut-être la plus grosse de la liste jusqu'ici, je pense même que c'est la plus grosse, ils sont vraiment beaucoup à la FCU, peut-être même la plus ancienne, la Sard je sais pas de quoi il date, mais je pense que l'autre celle qu'on a citée c'est la plus ancienne, on aura la Frog qui est je pense plus ancienne encore après, ou peut-être de la même époque, je sais pas trop, je m'avance pas trop sur ce que je raconte. Mais comme je dis la FCU, voilà, il y a la description, il y a la chaîne YouTube, etc. Comme je dis, je les connais pas bien, donc difficile de vous en parler. Je connais juste un petit peu leur chef Keida. De ce que je sais, que moi j'ai raconté, c'est qu'il tient très 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 bien en main cet orga, qui est géré depuis des années et qui continue à tourner. Donc chapeau à lui, surtout qu'ils sont assez, comment dire, ils sont dans tous les gameplays. Maintenant, s'ils sont dans la malice pour le dogfight, c'est parce que chez eux aussi il y a des bons dogfighters. J'ai quelques noms en tête. Qui me font au moins deux qui me font la peau, allez, oh, qui me fait la peau très très souvent, d'autres de temps en temps. Donc voilà, ça méritait d'être dans ma liste. Donc voilà, encore une fois, vous avez tous les liens, n'hésitez pas. J'ai le petit bout de vidéo normalement qui passe aussi en même temps que Keida m'a envoyé. Faites-vous plaisir, regardez. Alors, la dernière de ma liste, la Frog. Alors, je pense qu'ici, c'est généralement un peu plus connu, malgré les gens qui connaissent pas le dogfight. Ils sont pas, c'est pas vraiment, on peut pas dire que ce soit une orga de dogfighter, parce que déjà ils font pas d'Arena Commander, ce qui veut rien dire, hein, ça veut pas, parce qu'on fait pas d'assez qu'on a pas de fighter. Mais pour moi, ils sont dedans, parce que ils font quand même beaucoup d'attaques en dogfight, ils sont quand même bien coordonnés, ils ont l'air un petit peu assez efficaces en teamfight. Donc pour moi, ils devaient rentrer dans cette liste, ça va peut-être pas faire plaisir à tout le monde, parce que je sais que les Frogs, soit on les adore, soit on les déteste. Moi personnellement, j'ai rien contre eux, voilà, je pense que c'est vrai qu'ils font du PVP assez sale, mais c'est assumé de leur part, eux, ils sont pas, enfin voilà, il n'y a pas de sel, ils insultent pas, etc. Bon, ils en prennent, ça c'est sûr, mais voilà, ils sont clairs et nets, ils font ce qu'ils font, et voilà. Alors je dis, on aime, on déteste, c'est pas la question ici. Maintenant pour moi, ils avaient le droit d'être dans cette liste, car ils sont quand même ils font quand même du dogfight en team, et ils ont l'air assez efficaces, même si je les ai jamais fight. Mais ou sans le savoir, peut-être des alta eux, j'en sais rien. Mais voilà, moi ils y étaient. Encore une fois, vous avez tous les liens, etc. Ici, c'est pas une vidéo YouTube qui passe en dessous, c'est leur live, parce qu'ils sont... Je crois qu'ils ont monté un espèce de serveur pour être en live tout le temps, et ils rediffusent des vidéos d'action, donc c'est assez sympa. Donc voilà, une chaîne YouTube, une chaîne Twitch, pardon, H24, un peu comme la TV. Donc voilà, vous avez les liens, je vous en prie, allez voir. Alors on va maintenant parler un petit peu des orgas anglophones. Alors il faut savoir que il y a quand même, je dirais, 5 ou 6 orgas qui dominent vraiment le dogfight mondial. Parce que même, oui, s'il y a des très bons fighters dans les orgas francophones dont on a parlé, il y en a encore très peu qui peuvent tomber les meilleurs de ces orgas là, même très très peu.
Puis en plus, rien qu'en nombre, voilà, si on prend en nombre de fighters dans une orga, ils sont de toute façon sont toujours plus importants que nous. Je vois aucune orga francophone qui a autant de bons fighters dans une orga que peuvent l'avoir les quelques orgas dont on va parler maintenant. Surtout que souvent, bah, les bons fighters francophones partent à l'international retrouver ces orgas. Ça s'est passé chez Disorder avec un de nos membres qui est parti chez eux. Parce que voilà, il cherchait vraiment d'aller chez le meilleur pour apprendre avec les meilleurs. Et donc, du coup, il est parti dans une de ces grosses orgas anglophones. La première dont on va parler, bah, c'est Liberty Reaper. Moi, c'est la première que j'ai connue. J'ai toujours un petit coup de cœur pour eux au fond de moi, c'est sûr, j'avoue. Pourquoi ? Parce que bah, avant que je commence à try hard, je suis tombé sur les vidéos d'Azurland, c'est Lycosar. J'ai mis leur chaîne Twitch là aussi, ils ont leur chaîne YouTube aussi, vous pouvez les trouver. Notamment, Azurland, il fightait sur Twitch, enfin sur ses vidéos, pardon, sur YouTube. Il avait un casque de pilote avec un éclairage, il avait le double joy Virpil, que je connaissais même pas encore à l'époque, je savais même pas ce que c'était Virpil, je pensais même pas que c'était un petit jeu de piloteur double joy. Et honnêtement, ça faisait rêver, on les voyait en fight, mais ils étaient. En plus, je crois que c'est Azurland, il mettait un capteur cardiaque sur son cœur, qui retransmettait sur sa live, ses vidéos, et on voyait qu'il montait à 140 BPM, 150 BPM, tellement il était à fond dedans. Et vraiment, ça m'a donné envie de m'y mettre, et voilà, puis quand j'ai commencé mon try hard, je suis passé sur Discord, j'ai commencé à faire connaissance un petit peu sur certains membres. À s'envoyer des GF en tout cas et voilà et du coup c'est comme ça que j'ai connu un peu mieux Liberty Reaper. Alors ils sont une orga vraiment typée dogfight à 200%, hein. Je suis pas sûr qu'ils fassent d'autres choses, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas ils font surtout une dogfight. Ils sont aussi une académie dogfight, donc leur Discord est ouvert, enfin tous les Discords qu'on a vu sont ouverts, mais celui-ci particulièrement parce qu'il encadre vraiment les nouveaux joueurs ou ceux qui ont déjà le niveau et qui veulent, un peu comme je fais avec mes vidéos, sauf qu'ici c'est juste avec des, enfin c'est par écrit sur des chaînes Discord. Ils ont aussi des cours de dogfight le dimanche, donc vous pouvez vous inscrire, aller prendre des cours avec eux. Évidemment, il faut parler anglais. Je suis déjà allé une fois, hein. Franchement, c'est assez impressionnant. Donc voilà, je vous invite à aller voir, j'ai mis tous les liens. Donc le Discord, si vous êtes dogfighter, c'est un des Discords à rejoindre obligatoirement parce que vous allez trouver plein d'infos. Il y a des développeurs de CLJ et ça va être pareil pour les autres regards dont je vais parler après. Hein. Pareil, si vous voulez vraiment, si vous êtes un dogfighter, que vous avez envie de connaître la communauté. Allez voir ce qu'il y a aux États-Unis, allez sur ce Discord parce que vous allez choper des infos intéressantes, vous allez voir des noms que vous connaissez, des gens que vous fightez en Battle Royale. Donc intéressez-vous, franchement ça vaut la peine, restez pas renfermés dans une petite bulle. Quoique, il n'y a rien de mal de le faire, hein, mais voilà, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, ouvrez-vous un petit peu à ce qui peut se passer dans cette communauté. Alors deuxième orga, bah, Shadow Moses. Alors Shadow Moses, je vais pas en parler longtemps parce que je les connais pas bien. Je connaissais quelqu'un que chez eux, bah, leur ancien boss d'ailleurs, mais qui a quitté, donc du coup, c'est lui qui m'a donné les infos que j'ai là. Mais sinon, j'ai pas de contact chez eux. Voilà, ça veut pas dire qu'ils soient moins importants, loin de là. C'est d'ailleurs Liberty Reaper, Shadow Moses. Pour moi, c'est les deux premières grosses orgas dont j'ai entendu parler, et avec leur réputation, etc. Leur dogfighter, bref. Donc voilà, de la même importance, j'aurais dû dire que Liberty Reaper. Le même âge aussi, je pense, qui date vraiment des débuts de Star Season, si je ne me trompe pas. Par contre, eux sont pas que dogfight, ils touchent un peu à tout, donc à tous les pans. Ils sont PVP, voilà, j'ai envie de dire, ils sont PVP, ils sont pas dogfight, ils sont PVP. Mais leurs dogfighters sont très très bons. Enfin, je vais dire de réputation parce que je pense que je les ai pas croisés en BR ni en free flight, parce qu'on n'est pas dans les mêmes time zones. Et c'est bizarre d'ailleurs parce que même dans les autres orgas, j'en croise souvent qui sont des autres time zones, mais eux, je les ai jamais croisés. Donc je pense pas les avoir déjà fight. Mais je sais que de réputation, ça fight très très bien aussi. Donc voilà, rien à dire de ce côté-là. Voilà, je m'arrête là parce que je vous dis, j'ai pas assez d'infos sur eux. Alors ensuite, on a Ramming Department. Alors Ramming Department, c'est dans celle qu'on a vu jusque-là, c'est la plus jeune. Ouais, jeune, ils ont 5 ou 6 ans. Hein, c'est quand même pas très très jeune comparé à. Mais par exemple, Disorder, nous on a 4 ans, je crois. Je pense que tous les nerfs sont pas beaucoup plus vieux. FCU, par contre, ouais, ils sont un peu plus vieux. Mais bref. Ramming Department, eux aussi touchent un peu à tout, mais toujours en restant 100% PVP. Ils ont pas mal de streamers d'ailleurs. Je vous ai mis la liste là. C'est la première fois que j'en parle. C'est vrai que chez eux, il y a des streamers actifs. Donc voilà, c'est le premier slide où je parle de leurs streamers. Chez eux, je connais surtout Akko. Qui est un extrêmement bon facteur. On a d'ailleurs l'intro de ma vidéo, il y avait lié quand je me fightais contre lui. D'ailleurs, je vais remettre l'extrait peut-être maintenant pendant que je parle. Donc vraiment PVP, ils ont un style de fight que je reconnais assez bien. En tout cas, parce que là, ils ont fort grossi récemment. Mais les plus connus chez eux, les meilleurs et plus connus, je trouve qu'ils ont une petite touche que j'arrive à reconnaître quand c'est eux. C'est assez bizarre, hein, mais voilà. Je sais pas, c'est parce qu'ils s'entraînent ensemble ou j'en sais rien. Mais voilà, des très très bons dogfighters, beaucoup de chaînes Twitch. Voilà, donc Akko, avec qui j'en fight de temps en temps maintenant, on se rencontre souvent, parfois on a même vocal un petit peu.
C'est un monstre, c'est tout simplement un monstre. L'autre fois, on a fait un fight de Disorder, de mon niveau, je veux dire, parce qu'il y a tout un niveau chez Disorder contre lui. En 4 fights, on l'a pas eu une seule fois à 2 contre 1, bien que la dernière fois, il s'est manqué de peu, mais quand même, vous imaginez le niveau du gars, quoi. Donc voilà, rien d'autre à dire, je pense qu'on va passer directement à la suite. Alors, ben ensuite, l'Avenger Squadron, forcément, je pense que ça va être la plus connue. J'imagine que vous en avez déjà entendu parler. En tout cas, si vous n'êtes pas tout nouveau sur Star Citizen, Avenger One, hein, qui ne connaît pas le gros Avenger One, j'ai envie de vous dire. Donc, Avenger One, c'est un streamer qui fait des vidéos tuto YouTube sur le dogfight depuis très, 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 très longtemps. Moi-même, quand j'ai commencé à dogfight, j'ai commencé par ses vidéos. J'en ai parlé souvent dans mes propres vidéos. Et vraiment la plupart, ça commence à devenir rare des gens qui ne connaissent pas Avenger One comme des gens qui ne connaissent pas Tarada évidemment. Donc voilà, et Avenger Squadron c'est son orga justement qu'il a créé autour de lui-même si je puis dire. Alors je ne les connais pas beaucoup, même Avenger One j'ai même jamais parlé avec, on s'est déjà fight souvent par contre mais j'ai jamais parlé avec. Et pareil chez lui, je ne connais aucun de leurs membres, je ne sais pas pourquoi, ouais, les affinités qui se font avec des orgas et pas d'autres, et voilà, c'est les aléas de la vie, de fight j'ai envie de vous dire. Mais voilà, je les ai quand même contactés, j'ai quand même contacté BRE, hein, ceux qui, enfin s'il y a des gens, des dogfighters qui regardent ma vidéo, vous savez qui c'est. Qui m'a donné tout ça, j'ai dû réduire, il m'avait fait un pavé, j'avais pas assez de place pour tout mettre, donc j'ai réduit un petit peu son texte. Alors chez eux, bah, vous avez le lien du Discord, le lien du YouTube, le lien de Twitch de Avenger One exclusivement, hein, parce que c'est un petit peu lui, ça tourne un peu autour de lui. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ils sont un peu côté Academy Dogfight aussi, je sais que, bah, c'est dans des buts de recrutement, hein, vous l'aurez pas, mais je sais qu'ils sont assez ouverts aussi pour donner des tips et des cours, je crois, hein, je crois que j'en ai déjà entendu parler. Voilà, pour postuler aussi j'ai un système sympa, je crois que vous devez faire un fight contre Avenger One et vous devez, je sais pas, le tuer une fois sur trois, enfin je sais plus, il y a un truc comme ça et ça vous permet de devenir cadet chez eux, enfin bref, c'est sympa, je trouve que c'est un truc assez sympa. Que dire d'autre sur eux? Bah rien d'autre, hein, je pense que c'est assez connu, allez voir les lives d'Avenger ou les vidéos que vous avez peut-être sûrement déjà vues, surtout si vous regardez mes vidéos. À moins que vous parliez pas du tout anglais, il y a beaucoup de chances que vous ayez déjà regardé des vidéos d'Avenger One, le contraire m'étonnerait en tout cas. Alors ensuite, Black Fleet. Black Fleet, j'ai pas grand chose à dire sur eux non plus parce que j'ai trouvé zéro info. Alors je les connais depuis peu parce que je me fight de temps en temps avec un gars de chez eux qui s'appelle Papa Sweep. Et en sortant d'un BR, on s'est mis un good fight sur Liberty Reaper parce que c'est un peu l'endroit où on s'échange des good fights entre tous les fighters du monde. Il y a un chan en fait où vous pouvez tag quelqu'un, lui mettre good fight. Voilà, ça vous permet de trouver pratiquement tous les dogfighters, donc c'est assez pratique. Et il a vu que j'étais en stream, donc il est passé sur mon stream, on a un petit peu discuté, et de temps en temps, voilà, on doit organiser des squadron battle contre eux, donc voilà, ils sont vraiment très très cool, surtout j'aime bien leur façon de fight. C'est vrai que j'ai pas trop parlé de ça en présentant les autres orgas, mais ils ont, voilà, il y a certains orgas qui ont un fight vraiment close, comme j'aime bien. C'est le cas de Liberty Reaper, par exemple, de Ramming, et aussi de Black Fleet. Maintenant, je peux pas mettre tout le monde dans le même panier pour les fighters, mais en général, on se retrouve plus vers du close fight que vers le genre de fight que j'aime pas. Alors je lui ai demandé de me présenter son orga mais il m'a jamais répondu, pourtant on s'est reparlé depuis, mais voilà, je pense qu'il a pas très envie de me faire un pavé pour mes 500 abonnés, c'est pas grave, je lui en veux pas. Du coup tant pis pour lui, je parle pas beaucoup plus non plus de son orga dessus que ce que je vous ai pu vous dire là. Je sais qu'ils sont très connus dans les milieux anglophones aussi parce qu'on m'a déjà parlé d'eux dans d'autres orgas. Sur Liberty Reaper par exemple, je sais pas si Liberty Reaper c'est le cas, mais en tout cas je crois que c'est chez Shadow Moses ou Ramming, je sais plus. Mais les grosses orgas se font un rôle Discord pour les autres grosses orgas, vous voyez ce que je veux dire, hein. Vous avez votre rôle avec toutes les personnes de votre orga qui sont sous le même rôle et rassemblées. Black Fleet, on les voit souvent sur ces orgas là, donc ils sont quand même assez importants dans le milieu du dogfight anglophone aussi, voilà. Et là j'ai pas grand chose d'autre à dire, j'ai même pas d'extrait vidéo de dogfight, donc je m'arrête là pour ce slide. Et on terminera sur Viper Avail. Et je termine par celle-là pour une bonne raison, c'est que c'est vraiment celle où je ne sais pratiquement rien du tout, parce que j'ai entendu parler d'autres très récemment. Je ne les connaissais pas avant. Alors je connais des noms chez eux, parce que c'est des fighters insane, que je me suis fait bien bien laver par certains, dont un en particulier, qui est, je pense, le premier leaderboard pour le moment, je crois, j'ai pu regarder depuis un bout de temps, mais bref. J'ai entendu parler d'eux par d'autres orgas anglophones en fait quand je discute avec des fighters etc.
Donc on discute du PVP en général, mais il y a quelqu'un qui m'a dit oui, mais il y a Viper Avail aussi, et du coup je suis allé sur leur Discord, et je vous avoue que je ne les connaissais pas du tout, donc je ne sais pas vous dire grand chose sur eux. On a croisé leurs joueurs sur Jamton il y a 2-3 jours, mais bon, on a eu un peu de mal à cause, on n'aurait pas dû sur un serveur US à cause du lac, donc c'était un peu compliqué. Et je vous dis, leur très bon joueur que j'ai déjà croisé en BR, qui est vraiment insane. À part ça, je ne sais pas quoi vous dire d'autre sur eux, à part que je sais qu'ils sont vraiment très connus aux États-Unis. Je pense vraiment qu'ils sont assez récents. Voilà. Voilà, j'ai fait le tour. J'aurais bien aussi parlé de Jonathan Winters, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une orga. Ou alors c'est un peu comme Avengers Squadron, c'est un truc qui se monte autour de lui, j'en sais trop rien, il y a vraiment que lui que je connais, donc j'ai pas voulu m'étaler, et honnêtement j'ai dû rassembler tellement d'infos que j'en ai un petit peu marre d'aller à la course aux informations, et Jonathan Winter, je suis pas allé jusque là, donc voilà, c'est peut-être juste lui que j'ai oublié, mais j'ai déjà parlé de lui dans plusieurs de mes vidéos, parce qu'il fait des extrêmement bonnes vidéos sur le dogfight comme moi. Enfin, c'est plutôt moi qui fais comme lui, j'ai plutôt envie de vous dire. C'est vraiment lui qui m'a inspiré et donné envie d'en faire. Parce que moi, j'ai commencé à regarder celle d'Avenger One, et puis j'ai découvert Jonathan Winters. Et j'ai préféré celle de Jonathan Winters pour certaines raisons. Alors, je trouve qu'il va un peu plus loin, et moi, personnellement, j'ai mieux compris. Ça ne veut pas dire qu'il fait du meilleur travail qu'Avenger One, parce qu'Avenger One fait un super boulot aussi. Ça, je ne vais pas le nier. Voilà, mais j'espère que ça vous a plu. Je vous ai dit une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'infos à rassembler. Je suis content qu'elle soit finie, j'espère que ça vous sera utile, comme je vous ai dit au début. Il faut découvrir le monde du PVP aussi, je pense que c'est important, pas juste être un bon fighter et être enfermé dans sa bulle. Quoique, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, on peut très bien ne pas avoir envie de connaître tout ça et continuer à jouer, mais voilà, je trouve que c'est sympa de connaître un peu les orgas, les gens qui sont dans les orgas. Et puis comme je vous ai dit, sur les Discord que vous trouverez dans ce fichier, vous allez trouver pléthore de bonnes informations, surtout dans les grosses orgas anglophones, hein, donc il y a Liberty Reaper, Shadow Moses, Ramming, Avenger Squadron. Il y a des forums de tutos, on pouvait poser des questions, etc. Et puis surtout, vous allez retrouver tous les fighters du monde. Voilà, allez, en tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bien que j'ai pas encore d'idée. J'en ai une qui est dans le tiroir, là, mais c'est une vidéo de race, donc de course, d'entraînement course, donc qui n'est pas commencée, etc. Donc, bien que ces vidéos-là ont nettement moins de vues, hein. Ça vous intéresse forcément moins. En tout cas, pour cette PDC, j'espère avoir une idée bientôt pour vous mettre des choses. Pour le moment, je m'entraîne beaucoup découplé, donc peut-être que je vais faire une vidéo qui reparle du découplé plus en détail. On verra bien. En attendant, bon vol à tous, et puis à très bientôt. Ciao!